maintenant, pour en revenir à Roswell, donc on a vu que Roswell est relié à 19.47, qui apparaît dans la relation dans la distance de la circonférence de la Terre en 1000 nautiques, de 21 600 000 nautiques à l'équateur de la Terre, et le chiffre de 64,80 est relié aussi entre 19.47 et 21 600, et aussi avec le chiffre 33,33. Alors lorsqu'on prend la circonférence de la Terre et qu'on le divise par le nombre 33,33, eh bien on obtient 64,80 qui apparaît dans la variante. 21 600 maintenant, si on le divise par 333, on a 648,06. Vous avez un tas de chiffres. Vous allez me dire c'est quoi la relation, c'est un chiffre carrément qui ne nous dit rien, c'est un chiffre pris au hasard. Eh bien, si vous prenez ce chiffre-là ici, au pris au hasard, qui semble pris au hasard, à tout le moins, et qu'on le divise par 19.47, eh bien, ça nous donne exactement la valeur de 33,33 qui revient. Et si on le prend, donc, c'est ça comme vous voyez ici, 648,06, on le divise par 19.47, on a 33. Ou très près du 33,33, on a 33,28, et c'est la latitude de Roswell, de l'écrasement de Roswell. Donc, si on prend cette même latitude-là, maintenant qu'on la multiplie par pi, la valeur 3,1415,92,65, cette valeur-là qu'on voit ici, qui est la seule valeur qui peut relier, qui nous permet de calculer tout ce qui est sphérique, c'est-à-dire les cercles. Si on veut calculer les surfaces, ça nous prend cette constante-là qui revient dans les calculs tout le temps. Eh bien, si on prend 33,28, on multiplie par pi, on trouve la longitude de Roswell de 104,56. Et ça, c'est vraiment la latitude exacte, 33,28, la longitude 104,56. Et maintenant, nous allons rentrer dans le rapport entre Télénine et l'incident de Roswell. Maintenant, vous devez savoir que Hélénine a été déterminée à un angle d'inclinaison de 1,85 dans selon certaines références et selon certaines autres références 1,84. Eh bien, c'est l'angle d'inclinaison moyen de Hélénine. Et pour vous dire qu'est-ce que ça veut dire, l'angle d'inclinaison moyen, imaginez-vous ici que la ligne un peu plus grise, c'est l'écliptique. L'écliptique, c'est un genre de grand disque au vinyle, vraiment un disque si vous voulez, dans lequel vous avez au centre notre Soleil et les planètes sont situées de part et d'autre du Soleil au centre et tournent et gravitent toujours dans le même plan que cette ligne-là ici. Donc on appelle ça l'écliptique. Imaginez-vous ça comme un grand disque au vinyle, comme je vous le dis. Si vous avez un objet en dessous du disque au vinyle, il est donc sous l'écliptique. Ici, l'objet est au-dessus, il est au-dessus de l'écliptique. Et donc, Hélénine arrive avec un angle très faible par rapport à cette ligne grise-là, arrive avec un angle de 1,84 et va traverser l'écliptique pour repasser au-dessus de l'écliptique. Donc son angle d'inclinaison étant donné, 1 étant décrite, elle est de 1,85-1,84. Si on prend 360, ou comme je vous l'ai dit, 6 portions de triangle de 60 degrés dans un cercle, et qu'on le divise par 1,85, eh bien ça nous donne 195, qui est une fraction, si vous voulez, du 19.5, qui est encore une fois la géométrie, qui fait encore une fois référence à la géométrie sacrée en rapport au tétraèdre. Incroyable. Maintenant, si on prend 666, le chiffre de la bête, qui va... Ça, ce chiffre-là, vous allez le voir, ceux qui vont rester dans la tribulation, qui ne croient pas dans la parole de Dieu, vous restez sur Terre. Vous allez se connaître de très proche qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, on parle d'un implant. Tout le monde, évidemment, sur Internet parle du fameux implant électronique à l'intérieur du corps. Et sans cet implant-là, nul ne pourra manger, ni boire, ni acheter quoi que ce soit. Et c'est vraiment dans l'Apocalypse, c'est vraiment dans les versets bibliques. Mais moi, je vous donne une explication secondaire qui va encore un peu plus loin. Plus profonde, si vous préférez. Si vous prenez le 666, vous le divisez par l'angle d'inclinaison, eh bien, ça nous donne 361, qui est vraiment proche au 360. Maintenant, prenez 1,85, divisez-le par... Prenez 666, c'est-à-dire, et divisez-le par 1,85,
eh bien, vous obtenez exactement 360 degrés, 360 ici. C'est vraiment incroyable de voir la relation encore entre ces chiffres-là. Et on va continuer un peu plus loin. Maintenant, on prend le diamètre terrestre équatorial en 1000 nautiques, soit de 21 600 000 nautiques. Et on le divise par 1,84. Qu'est-ce qu'on trouve? Surprise, on trouve 11 739. Maintenant, avant d'aller plus loin, il faut que vous sachiez que Hélénine, elle a eu une caractéristique très spéciale. Elle a été décrite comme un objet à orbite hyperbolique. C'est-à-dire que ça fait d'elle un objet unique. Et ça a été le premier objet de l'astronomie moderne à être reconnu et étudié et confirmé comme étant un objet à orbite hyperbolique de toute l'histoire de l'astronomie moderne. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un orbite à trajectoire hyperbolique? Je vais vous le montrer. C'est lorsque vous avez une excentricité supérieure à 1, lorsque vous avez E, qui est l'excentricité, égale à 0, vous avez un cercle parfait qui tourne alentour d'un milieu, et c'est un cercle parfait. Plus vous augmentez votre excentricité, plus vous arrivez avec un objet qui a une orbite elliptique. Quand vous dépassez 1, vous devenez une orbite hyperbolique, c'est-à-dire que c'est des objets normalement qui vont tourner un peu alentour du Soleil par une influence gravitationnelle, mais vont repartir et ne reviendront plus jamais. On lui dit bye-bye, c'est des objets qui ne reviennent plus. À moins d'être pris étant donné la faible vitesse, ils peuvent être pris dans le champ de gravitation du Soleil et revenir et se stabiliser éventuellement selon une orbite plus ou moins elliptique, dépendamment de sa vitesse de départ, qui suivent les lois de Kepler.